Donc, je vous présente un look automnal avec des achats, donc avec la chemise pinky. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je vous montre un petit peu mon maquillage. Voilà, assez naturel, avec un rouge à lèvres foncé, boucle d'oreille, Bershka. Donc, voilà. Alors, là, vous voyez, donc j'ai la chemise. Vous montrer un petit peu plus loin. Voilà. Avec un jean que j'aime bien. Voilà. Donc ça fait un look très très citadin. Voilà. Donc j'ai assorti avec ma veste Pull and Bear que je trouve très rock. Je vais vous la mettre, puis je vous la montre. Je l'ai sortie avec ma veste Pull and Bear. La chemise est à pan, donc elle est bien pour cacher. Bijoux simple. Voilà, vernis bis que j'aime. Voilà. Et donc, je vais vous montrer des bottes Gémeaux marron qui font un look casual, un look assez casual, je trouve. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer ça et mon jean vintage que j'adore. Voilà. Donc. Et puis, je voulais vous dire aussi que je la lie avec mon sac tête de mort, qui reprend les couleurs de la chemise et de mon rouge à lèvres. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je suis apprêtée pour aller chercher, bien sûr, ma fille à l'école. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous donner des idées, lookbook. Enfin, comment s'habiller, vous voyez, pour être assez classe. Et puis, je voulais vous montrer aussi. Donc, j'ai refait ma teinture, ça y est. Donc, voilà, elle est refaite. Et c'est vrai que ça fait plus propre, plus propre, plus propre. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus propre. Hein, parce que, voilà, alors j'ai pris un acajou pour éclaircir un petit peu mes cheveux. Hein, c'est vrai que, voilà. Je préfère faire comme ça que du noir parce que le noir, ça me ternit un peu le visage. Voilà. Donc je vous dis surtout à bientôt. Je vous embrasse très fort et vous souhaite de joyeuses préparations de Noël, d'achats de cadeaux. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, j'aime ça. Et de m'ajouter à Google+ pour faire découvrir à d'autres youtubeuses. Allez, au revoir et à bientôt, j'espère.